Salut la VOD, salut YouTube. On retrouve donc nos amis Canton et Catox, que j'ai bien orthographié ici, heureusement, qui se sortent tout juste de leur une séance assez compliquée contre un warg qui a quand même bien failli faire un crash tout mon let's play. Ah, les pièges ne sont pas comptés comme un frein, d'accord. Ok, c'est bon à savoir. Bon. Bon, dans ce cas-là, je vais effectivement certainement faire ça. Ouais, donc cette saleté de warg m'était vraiment sévère. Alors, heureusement, les... Ouais, nous avons vaincu. Eh bah ouais. Salut Sam, éternel. Mon cousin, pour ceux qui, les nombreux qui ne le connaissent pas, avec qui je joue beaucoup, Guild Wars, entre autres, ces derniers temps. Ouais, enfin, et enfin, on te voit sur Rimworld. Fidèle Destrier, qui est-ce qui est Fidèle Destrier? C'est moche d'appeler Katox ton Destrier, Canton. Bon, donc il va falloir que tout le monde se remette un peu. Je vais accélérer le temps que... C'est quand même bizarre, hein, ce concept d'avoir une santé à 100% et perte de sang extrême. Il faut peut-être aller donner à manger. Ah, il est carrément inapte au service, quoi. Ok. Avec une santé à 100%. C'est complètement logique. Si tu ne donnes pas à manger, ça va être compliqué. Va discuter aussi. Ah, ça y est, Canton est de nouveau opérationnel. Voilà comme elle est. Hop, très bien. Il a récupéré son bazar. Allez, un petit peu d'hémogène. Va rééquiper ton épée longue. Au niveau bouffe, c'est bon, on est large. De toute façon, il y a le riz qui va bientôt arriver. Et le voyage à travers les étoiles, c'est pas vraiment pour tout de suite. Ok, bien. Alors. Donc, on va effectivement s'occuper de préparer quelques défenses. Pour ça, je vais avoir besoin de bois. Je n'en ai pas du tout, ça va être la misère. Donc il va falloir Canton que tu ailles. Voilà, déjà va me déconstruire ces tous ces trucs-là qui servent plus à rien. Ça non plus. Hop. On nourrit pour mieux ponctionner. C'est exactement ça. Lui, il s'est fait clairement bien ponctionner. Je me demande s'il peut se rebeller à un moment. Sachant que c'est un homme sauvage, j'ai pas l'impression. À mon avis, il peut pas se rebeller, donc c'est vraiment une source de nourriture permanente. Hop. Voilà, hop, prépare-moi des croquettes, toi. Ouais. Très bien. Non, là tu prépares de la bouffe. Ouais, c'est bien aussi. Donc, alors, je vais le prioriser plutôt en tant que... J'enlève ça. Enfin... Je vais faire en sorte qu'il aille me... voilà, quand il aura fini de récolter son riz, qu'il aille me choper du bois pour faire davantage de construction. Parce que là, je suis quand même vraiment court. J'ai besoin aussi de racines de vie là. Parce qu'en fait, j'en ai pas du tout. J'ai rien du tout en médoc. Et ça, c'est pas une très bonne idée.
Nous risquons de nous blesser, t'as raison. Tu te mets à utiliser le pluriel de majesté, c'est ça? Il y a quand même besoin de nourrir un peu tout ce petit monde. En sociabilité, c'est qui le meilleur des deux? Ouais, c'est plutôt Canton quand même. Ah, ça y est, le mariage est en cours. Formidable. Vive les mariés. Un petit chambre à signes de vie, ouais, ça pourrait être une bonne idée, c'est intéressant. Je sais pas trop pourquoi j'ai pas pensé à le faire encore. On va faire ça où? Voilà. Vive les mariés. Ils font ça dehors. C'est beau. C'est beau la mûre. Tiens, t'inquiète. Je vais me faire déraciner. Voilà. La cérémonie est achevée. Just married. Hop. Fais-moi ici des plants de coton. Non, j'ai dit racines de vie. Ah zut, je peux pas. C'est la loose. J'ai combien en ferme? Agriculture 5,20. Voilà. Et Catox, elle est à 3,08. Bon bah pas de racines de vie pour l'instant. Et pas que je voudrais pas, mais. On va faire du coton, du coup. Toujours utile d'avoir un stock de coton. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme non, ici. Non, commence pas à me faire de la pomme de terre, je veux pas de patates. Peut-être faire de l'herbe à foin pour nourrir mes cochons, ça pourrait servir aussi. Hop, et puis un peu. De bœufs. Toc. On va faire du smoklif et du psychoïde. Psychoïde, non, en fait, je peux pas m'en servir. Si, je peux faire du TP quoi. Eh ben, non. De toute façon, je peux toujours pas. Bon, comme ça, quand il aura suffisamment en agriculture, c'est 6. Oui, il n'en est pas loin. Herbe à foin directement dans l'enclos, t'as tout à fait raison. Évidemment. Non, pas agrandir la zone. Attends, du coup, qu'est-ce que tu veux faire là? Du houblon, des fois qu'un jour je fasse de la binouse. Vague de froid, aïe. Tu vas pas faire beaucoup de plantation avec une vague de froid qui arrive. Effectivement, attends. Que je le mette pas sur les zones jaunes. Hop. Va se faire, allez, 72 de foin. Alors, est-ce que tu sais. Ah, mais pas qu'une, oui. On met en place pour le printemps, c'est ça. Est-ce que l'un d'entre vous sait, je me suis toujours demandé, quand on met une plantation comme ça, plan de riageolée, bah oui, forcément. Ramasse-moi tout ça en vitesse. Je sens que tu vas pas avoir le temps. Hop. Tac. Tac. Hop, c'est bon. Vite, vite, vite. Bon, on aura récupéré ce qu'on aura pu. Est-ce que. Ouais, quelqu'un sait dans quelle situation est-ce que les cochons ont bouffé les plants qui sont. Enfin, ou plutôt, au bout de combien de temps? Est-ce que. Au bout de quel pourcentage de croissance est-ce que les bestiaux se mettent à manger la bouffe qui est en train de pousser? Vague de froid, il fait moins 8, je vais peut-être même faire un petit radiateur. Est-ce que les vampires peuvent avoir froid? Une bonne question. J'ai pas assez de métal. Oh la vache.
Et c'est vraiment la loose ce scénario pour au niveau des ressources. Tu commences vraiment à être que dalle quoi. Allez, va miner un petit peu de d'acier. Tac. Et tac. À tout le monde, éternel, mais je sais que toi, tu n'as pas la réponse. Et voilà, Charlie recruté, formidable. Alors, Charlie, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui, c'est artisan, c'est les savants, c'est juste hallucinant. Les stats qu'ils ont en artisanat, en intellectuel, c'est complètement délirant. Donc, du coup, bah, tu vas être le seul à me faire ça. Tu vas me faire artisanat dans l'ordre. Ça c'est. Oh, elle est bien aussi, Katox, quand même. En stats, tu vas être chasseur, mais il te faut une arme à distance. C'était pas très utile ta réponse, Davitos, mais c'est pareil, c'est pas grave, l'important c'est de participer. Mon chat vient de monter sur mon clavier, j'espère qu'il n'a pas fait de conneries avec mes raccourcis clavier. Alors, on avance doucement. Donc, priorité, constructeur, non, t'en feras pas. Constructeur, c'est toi. J'ai un peu de bois. Ouais, continue de faire du bois. Ah oui, non, parce que sinon tu seras priorité au minage. En dessous de 25%, ils vont jamais aller bouffer, d'accord. C'est bon à savoir. Qu'est-ce que je suis en train de rechercher là? L'usinage, d'accord. Oui, histoire d'avoir des vraies armes. En parlant d'usinage, je pourrais peut-être me faire de quoi? Sauf que j'ai un peu de. Attends. Ah oui, si, je m'étais déjà fait ça. Un pantalon et une chemise. C'est toi qui as des. Oula oui, c'est pas terrible. Mais j'ai pas suffisamment de cuir ou autre pour faire d'autres. Ok. Alors en bois, ça va commencer à aller. J'aimerais que tu me fasses en priorité quelques racines de vie. Quand tu auras fini de manger, caneton. Hop. Voilà. Oui, non, d'accord, il me fait. C'est pas grave. Truie 1 a donné naissance. Encore des petits cochons. Je sens que eux, ils vont pas passer l'hiver. Hop. Tiens, il a. Pas de lit, ah zut, ça va pas lui plaire. Si t'allais retourner dans ton ancienne dans ton ancienne cellule. J'ai toujours aimé ce concept de des prisonniers qui retournent dans leur ancienne cellule pour dormir. Ça c'était. Ah oui, ça c'était le fameux truc biocodé que je n'avais pas vu. Hop, quand tu te réveilleras. Hop. Canton, il fait crac-crac et puis ensuite il va couper du bois. Un vrai bûcheron. Bon, ça commence à être mieux, je commence à avoir un peu de bois. Va miner. Et oui, parce que du coup, il fait toujours un froid de canard. Ah oui, il fait moins 15 degrés. C'est pas terrible, moins 15 degrés pour dormir. Caneton. Voilà, laminé. Ah oui, j'ai là aussi que j'ai plein d'acier. Hop.
faire. Ce radiateur et même sans doute un deuxième. Au moins ici. Vengeance de caribou. Merde. C'est qui c'est? Ah pas bon. Barre-toi, 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 barre-toi. Canton, il va falloir que tu ailles sauver Charlie, je sens. Où est Charlie? Tiens, d'ailleurs, il va falloir que je renomme. Je renomme. Qui est le... Non, casse-toi, je t'ai dit. Con de mime. Qui est le premier à s'être connecté au chat? Eh bien, je crois bien que c'est Lithium qui est venu après Canton. Lithium, est-ce que... Je sais pas si Lithium est toujours chez nous, parmi nous. Non, tu veux pas l'attaquer, lui. T'as décidé que t'étais un bisounours, c'est ça? Que ce bordel. Ah d'accord, tu peux pas tant qu'il est dans l'eau. Barre-toi, barre-toi. Allez. La course entre Canton et le... Bim! Voilà. Ouh, les caribous, dis donc, c'est... C'est sévère, hein? La vache! Donc, bon, non, ce sera éternel. Hop, Charlie, tu t'appelleras désormais éternel, que tu sois d'accord ou pas. Je pense que le simple fait que tu sois venu ici ce soir, ça se fête. Allez, on démobilise. Du coup, tu vas peut-être arrêter de chasser le caribou parce que t'as quand même pas une super arme. Donc je vais peut-être dire d'arrêter de chasser le caribou. Attends, donc tu vas aller chasser le dri, c'est bien. Ça, c'est moins intéressant. Wapiti. Allez, à la chasse au wapiti. Au moins, tu risques pas de te faire attaquer par cela. Donc, tu pourras peut-être me transporter. Tant qu'il est, même si t'es blessé. Tu demandes des royalties? Ouais, mais... Hop, voilà, va te soigner. Et ta morsure de caribou. Bim, c'était quoi ça? Dites. Oh, chier. Fais chier. Hop. Incapable de lutter contre l'incendie. Bah oui, forcément. Catox, stop. Les vampires ne sont pas des grands fans du feu. Alors, où es-tu éternel? Tu chasses. Rapproche-toi. Est-ce que tu arrives à gérer ce feu? J'ai l'impression. Hop. Tac. Ouais, c'est pas trop mal quand même. Par contre, ça inflige que dalle, ce... comme arme. C'est quoi, c'est un pistolet automatique. Bon. Pas ouf. Hop là. Canton. Oh, t'as beau pas être très en forme. Tu vas quand même aller. Non, j'ai toujours pas assez de métal. Bien, bien, bien. Canton, tu vas prélever ton dû, pas sur Éternel, j'espère. Toute façon, tu peux pas, puisque Éternel a des... n'est pas un humain classique. C'est un savant. Donc, tu ne pourras pas aller le ponctionner.
Voilà. Laminer ton métal et va faire ton radiateur. Soigne. J'ai une truie qui est malade. Il y a quoi déjà? Hypothermie. Ah merde. Ah, ils sont tous sabots arrière droit gelés. Waouh. Je sens que je vais pas avoir beaucoup de cochons à la fin de l'hiver, moi. C'est parti pour que j'ai de la viande, mais c'est à peu près tout. Parce que je vais pas m'amuser à les chauffer. Il fait moins 20 dehors, ouais, tu me diras. Si j'étais un cochon, je pense que j'aimerais pas trop non plus. Alors, Katox doit accoucher dans moins de 6 jours déjà? Oh là là. Salut Spikey! T'es malade en ce moment. Une étable, ouais. Ouais, faudrait. Bon, allez, c'est vrai que j'ai du bois. Bon, allez, je vous écoute. Je vous écoute, je vais être gentil avec mes cochons. On va les installer. Tac. En plus, du coup, ils vont profiter de la chaleur de. J'aurais même pas besoin de mettre un radiateur. Est-ce que j'ai suffisamment de cuir pour me faire? J'en ai 42, 39, c'est combien le rideau animaux? 25, très bien. Hop. Allez, sortez par là. Tac. Bim. Ils sont vraiment très 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 dans le mal en fait. Qu'est-ce qu'il en fait là? Hop là. Et on va mettre tous les petits cochons. C'est dans mobilier. Lieu de couchage. Tac. 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 Hop. Ouais, le problème, c'est que je vais y passer toute mon. Là, du coup, il fait combien? Ah merde, c'est à ciel ouvert. Mais il faudrait peut-être construire la. Ah, je sais. J'avais fait un peu de la merde, ignorer la zone. Ouais. Eh oui. Pas trop ce que j'avais fait au début là. Hop. Tac. Tac. Hop, hop. Peut-être un petit peu plus chaud après. Non, du coup, il faut terminer ça. Tac. Bon. Est-ce qu'on va arriver à les sauver? Porcelet n'est plus incapable de marcher. Ah, peut-être. Ah, une meute de chasseurs d'hommes. Bien. Ils sont dans quel état, mes cochons, là, du coup? Ouais. Ils sont pas très en forme. On était super méchants. Salut John Piscator. Bienvenue sur le live. Alors, donc du coup, je me suis interrompu, j'ai même pas regardé cette histoire de bébé. Katox doit coucher bientôt. Il faudrait construire une salle de naissance avec un sol propre et un bon lit. Un médecin qualifié, c'est bon. Donc l'aide de travail, affecter au moins une personne à la garde d'enfants. Prépare une source de nourriture. Eh oui. Katox peut allaiter le bébé. Vous pouvez lui donner de la nourriture pour bébé, du lait. Hein. Construire un berceau, des berceaux d'haute qualité. Bon, ça aussi c'est bien traduit, donc. Rendront un bébé heureux. Alors, effectivement, il faut qu'on fasse ça. On gérera la meute après. Mobilier. Le berceau, il est là. Le berceau de bébé. Hop. Je pourrais peut-être me faire à côté du cercueil. Normal. Hop. Une table de nuit aussi, tiens. Hop.
On va peut-être fermer un peu cette pièce. Structure. Tac. 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 Une porte. Là. J'aime déjà mon quoi? Je vois pas ce que représente ton icône Canton. Donc alors qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Une salle de naissance avec un sol propre et un bon lit. Moi le sol propre ça me paye. Je pourrais peut-être me faire un petit plancher en bois. Ou ouais non j'aurais pas assez sinon. Carrelage en granit, allez, faisons du granit, soyons fous. Tac. Du coup, ça, il faudrait que je le réinstalle là. Qu'est-ce qu'il faut? La garde d'enfants. Qui fait de la garde d'enfants? Ce sera Canton aussi. Putain, il fait vraiment tout. Quel homme ce Canton. Enfin, quel vampire. Hop, il faut vraiment que je me fasse d'autres radiateurs parce que ça caille. Alors, qu'est-ce que j'ai comme meute de chasseurs d'hommes? Une meute de rats. Mon Dieu, combien sont-ils? Ils sont deux, c'est vraiment terrible. Tac, tac. Eh ben, on va les attendre au détour. Tac, tac. Où est-ce qu'ils sont? Ils arrivent vite, c'est rapide, ces petites bestioles. Hop. Où t'es éternel? Ah non, merde. Toi, tu devrais pas être là tout seul. Tu vas te faire très vite attaquer, là. Je sens que Canton va encore devoir venir à la rescousse. Ouais, non, c'est bon. Ça devrait être bon. Hop, allez, termine ton bloc. J'ai une quête qui expire dans 14 heures. Je vais voir laquelle. Toi, je t'ai mis jusqu'où? Tac. Tac. Tac, tac. Allez, va chasser le rat. Bim. Ça, c'est du tir. C'est bien, éternel. Bim! Oh là là, quel talent! Quel talent! Va me construire tout ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Va apporter le radiateur, je te dis. Il faut que je prépare de la nourriture pour Baby. Ils sont où les bébés? Ils sont là les bébés. Jusqu'à en avoir. C'est par 50. Jusqu'à en avoir 20 pour pas avoir le l'alerte. Capsule de cargo. Qu'est-ce que tu m'as trouvé? Hop. De la laine. Ça c'est très bien, la laine d'alpagas. Une excellente nouvelle. Hop, elle est un peu loin, mais ça sera particulièrement utile. Tu commences par le carrelage, toi. Non, mais t'as rien compris, mec. Me fatigue, ces gens. Alors, c'est quoi la quête qui... Ah oui, décharge... Ouais, non, ça, c'est chiant. Ça, j'aime pas. Ouais, pour ça, hop, je ne prendrai pas tes déchets. La vague de froid s'est terminée, c'est une excellente nouvelle aussi. Oh là là. C'est pas possible. Éternel état perpète. Bim. Et voilà le one shot. Le one shot du raton laveur.
Et non, Katox, salut, je t'avais pas vu arriver. Ouais, t'es bientôt maman, regarde. Elle est pas belle la vie? Les cochons ont pris cher, ouais, mais heureusement j'ai des super viewers qui ont qui m'ont dit ce qu'il fallait que je fasse parce que j'avais pas trop j'ai pas forcément géré les choses comme il aurait fallu au départ. Katox, ça c'est une très très mauvaise idée. Tu vas me ramasser tout ça et tu vas me virer. Voilà, parce que là, t'empêchais de fermer la porte. Qu'est-ce qu'il est parti faire? La laine d'alpaga. Bon, ok. Soit. Un seul deux. ouais, les bébés, c'est plus simple sur Homeworld, c'est clair. Je confirme 100 000 fois ta. C'était dire. Bon, c'est pas parce que la vague de foi est terminée qu'il faudrait pas que tu termines. T'es radiateur, coco. Hop, et celui-là aussi, tant que t'y es. Et puis là, tu vas me faire en température un ventilo. Fais-le par-dessus. C'est un petit mode que j'aime bien qui permet de faire des trucs par-dessus le mur. Ça évite d'avoir à casser les murs pour mettre ce genre de choses. Il a quel âge ton bébé, Ketox? Alors, 8 mois la petite. Le mode qui permet de construire par-dessus, c'est lequel? Alors, j'ai mis à jour ma liste de modes. Tiens, je vais la renvoyer. Où que c'est? Où que c'est? Que je retrouve mon lien. Là. Tac, le lien vers le message. C'est lequel celui-là? C'est. Je ne sais plus lequel permet de construire par-dessus. Je me souviens plus. Je vous balance le lien. Tac. Alors, c'est sur le Discord du signe, hein, bien entendu. Mais je sais plus lequel c'est. Ouais, bah oui, le père c'est toi, c'est Canton, évidemment. Alors ce que ouais, on a toujours que sa couleur de peau, donc on verra quels sont ses. Qui est le père? Est-ce que c'est Dark Vador ou pas? Pas sûr. Hop, normal avec 51% comme d'hab. Donc il faudrait que je regarde quel mode permet d'avoir le truc qui permet de construire par-dessus. Je me souviens plus du tout. Mais j'ai toujours trouvé ça très pratique. Globalement, de toute façon, alors peut-être bien que ça va avec ce qui s'appelle le mode qui s'appelle Replay Stuff. Il permet en fait de ne pas avoir à déconstruire pour reconstruire, ce serait assez logique parce que c'est dans la même idée. C'est vraiment moi qui j'ai toujours trouvé ça un peu débile que tu sois obligé de préciser que tu voulais que de devoir d'abord détruire avant de reconstruire. Attends, tu voudrais pas d'abord me faire mes constructions, Coco? Non, ça tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Bah voilà.
Hop, histoire que tout le monde est un peu chaud quand même. Et tu pars un peu dans tous les sens, Canton. La nourriture pour bébé, est-ce que tu me la mets là? T'es en train de la faire là? Oui, c'est bien. J'aimerais bien que tu me fasses des croquettes aussi, ton petit. Quand t'auras fini de manger. Hop. Bon, je vais avoir trop de bouffe. Je sais pas, j'ai un trop petit frigo, moi, tel que c'est parti. Oh, coucou Damned. Et également, salut Morphis 27. Oh, j'ai un fan, Morphis. Tu m'envoies ravi. Il fait quel genre de température? Capsule de cargo encore. C'est bon pour la température. Capsule de cargo. Qu'est-ce que vous m'avez envoyé, les amis? Putain, mais vous pourriez pas les envoyer plus proches? Merde. Putain. Non, c'est vraiment dans le coin de la map, quoi. Hop. Comme c'est des trucs qui craignent un peu. Enfin, tu m'as fait moins d'un degré, ça. C'est pas très urgent. Hop. Viens me chercher quand vous pourrez, vu les températures, ça devrait pas craindre trop. Donc là, du coup, ah oui, là, il fait même 42 degrés, il fait même presque un peu chaud maintenant. Bon, est-ce que c'est très grave? Insolation, ouais, bah d'accord, super. Allez, maintenant, ils sont tous gelés de partout. Oh là 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 là, quelle misère. Bon, maintenir ouvert. Hop. Canton, t'es où? T'es là. Continue de planter. Alors, le dernier TLC, toute la traduction, Morphis, c'est. Tu regardais sur YouTube. Eh ben, je suis enchanté de l'apprendre. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui nous suivent. Voilà. Twitch et. Twitch et YouTube. Donc, le DLC, en fait. Rien n'est traduit, ce qui fait partie des choses qui sont pourraient paraître un tout petit peu agaçantes avec ce jeu. Vu le succès qu'il a, il aurait clairement pu se payer une vraie traduction. Mais comme il y a plein de fans qui se sont occupés de le faire, et ben du coup c'est de la traduction amatrice. Donc on voit plein de belles coquilles. Là par exemple, ce mobilier-là, c'est d'un cerceuil médicalé. Au lieu d'un cercueil médicalisé, quoi. Un truc un peu étrange. C'est voilà. La communauté fait un travail super, mais bon, j'ai moi-même participé. C'est d'ailleurs là que j'ai eu l'occasion de rencontrer le Cygne et Damned à la traduction d'un jeu qui s'appelle TA2. Donc on sait que c'est compliqué hein, la traduction communautaire, mais bon. Voilà. Non. Non, non, c'est pas la même commune. Enfin, on espère. Parce que sinon. Bon, toi, je voudrais quand même que tu. Attends, tu vas pas me faire ça. Tout ça, je veux pas que tu me le fasses. Non, c'était pas cancel que je voulais faire. Merde. Bon, c'est pas grave. Tu vas me faire tout le reste. Mais ouais, non, c'est. Bon, ceci dit, la traduction est parfaitement utilisable. Hein. Enfin, certes, c'est pas la traduction du siècle. Il y a des coquilles, mais bon, en dehors de quelques petites coquilles, c'est quand même, ça reste parfaitement utilisable. C'est absolument pas un problème d'utiliser ce
ce jeu-là pour les anglophobes. Salut Sam, dors bien, récupère bien. Damned, je viens de voir ce que tu viens de lancer. Je vais refaire une porte là. Ouais, j'ai des espions un peu partout. Donc, tu vas me refaire un carrelage en grès, s'il te plaît, maintenant. C'est moins urgent. Granit, pardon. Tac. Ça, c'est quoi? C'est du... Ah, d'accord. Là, tu vas m'enlever tout le sol. Toute façon, c'est tout moche que tu as. Tac. Ça me récupérera du granit. Le granit, c'est toujours bien. Tac. Allez. Quand tu ne sauras pas quoi faire. Bon, on peut réaccélérer un peu. Katox, tu te balades, c'est une excellente chose pour une mère quasiment enceinte. La grossesse dure 18 jours. Ils sont heureux dans Rimworld quand même. Ah oui, ils sont tellement HS. Ah, ils ont zéro de mouvement. Oh là 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 là, mais c'est quoi ce bordel? Ah ouais, ils peuvent vraiment plus rien faire. Oh, bah tu sais quoi, mon petit coco? Ouais, ils ont... D'accord, en fait, ils ont plus de bras et plus de bras, plus de bras. Alors, c'est juste la femelle. La question que je me pose, c'est est-ce qu'elle peut tomber enceinte en étant HS? En étant incapable de se déplacer? Si c'est le cas, alors attends. Non, sinon là j'ai une femelle qui arrivera un jour ou l'autre. Bon, bah écoutez, je vais pas vous nourrir pour rien, c'est vous qui allez me nourrir. Paf, au revoir les petits cochons. Bonne nuit, Davistos. Tu t'endors en m'écoutant. Je vais peut-être être très, très vexé, ceci dit, mais... Mais tu as jamais joué Damned à War Tales? Katox allait chercher le lait. Tant qu'il y a, hein, tu m'embarques tout ça. Non, 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 non. Tu prends le reste du lait. Hop, les débris d'acier, on s'en fout. Voilà. Et ça, ensuite, tu le transporteras un jour ou l'autre. Je pourrais d'ailleurs, j'en ai un certain nombre, des débris d'acier, je pourrais peut-être me faire. C'est lequel? C'est la fonderie. Sauf que ça demande plein d'acier que je n'ai pas. Où est-ce que je vais l'installer? Bon, ici, c'est pas mal comme pour une fonderie. Plan de gelée. Allez, c'est reparti. Bah, il fait moins 11. Boum, boum, boum. Ok. C'était pas la peine de s'emmerder à tout planter. Ouais, il a gagné un peu en agriculture, mais c'est tout. Bon, 4h30, ouais, ok. Je t'excuse, Davistos. Ouais, c'est... Si, si, ça monte l'agriculture. Bah, j'espère. Pour ça qu'il bosse, hein. Ouais, non, ouais, War Tales, ça fait très longtemps que je n'ai pas relancé. Moi, j'avais bien aimé les vidéos du ciné. Et ensuite... ouais, depuis... J'y ai joué, mais bon, clairement, c'était un jeu qui n'était pas fini et
Je suis quand même pas un immense fan de l'Early Access, donc le concept d'Early Access, il y a vraiment que très peu de jeux que j'ai fait auxquels j'ai joué de façon intensive en Early Access. Et voilà, j'attends que ça avance, et effectivement, peut-être que on se fera d'ici quelques temps de la coop dessus. Il y a moyen que ce soit ça, fun. Hop. Je vais me construire ça. Et ici, tâche, extraire du métal en boucle sur tout ce qui est autour. Hop, vu comme j'ai du mal à avoir des ressources. Et merci John Peace, on trinque à la vôtre. Toujours boire. Par contre, le cadavre, ce serait bien qu'il soit pas là. Je veux pas de cadavre d'animal ici. Hop, surtout pas des cadavres pourris. Et hop, hop. Je veux juste des cadavres de mécanoïdes. Moi ça. No storage space. Bah si, là. Ah non, oui, d'accord. Où est-ce que je pourrais le dégager? Ils n'ont toujours pas tué les cochons. Je vais me faire une autre zone de stockage. Une autre décharge. Tac. Hop. Avec les animaux pourris. Juste les animaux pourris. Tac. Bien. Ok, caneton s'en est chargé. Là, on a dit quand même que... Aurore polaire. Tac. Je veux que tu m'abattes tout ça, s'il te plaît. Hop. Non, tu veux pas battre les autres. Oh, tu m'escagasses. On dit à tes souhaits. Plan de riage. Ah, une planque. Voilà. L'hiver, c'est pas le bon moment. Allez, arrête de me faire des semis là. Hop. Je suis en avril mai là. Avril mai, c'est l'automne. Bon, je sais que je suis sur des zones un peu fraîches. L'aurore se finit. Alors, qu'est-ce que tu me proposes, toi? La plante double de valeur. Avec de l'or. Eh ben, il me semble que je vais peut-être aller le chercher, ça. Expire dans 19 jours. Là, les choses se passent pas trop mal. Je vais peut-être embarquer tout le monde. T'as tous les animaux sauvages qui profitent de mes croquettes. Attends, je vais me faire une zone. Non. Mobilier. Je vais l'installer. Hop. Ça là. Je vais mettre les plats dessus. On va me faire une vraie table quand même. C'est un peu naze, la salle à manger là. Tellement de choses à faire avec tellement peu de personnes pour s'en occuper. Ouais, je suis l'hémisphère sud. Ah oui, les saisons sont inversées. Effectivement.
La monnaie, ouais, mais je crois c'est de l'euro. Effectivement, mais non, c'est argent 500. Pourquoi tu dis que là... Ah, tu c'est dans War Tales que c'est l'euro, la monnaie? Ouais, non, mais effectivement, je suis qu'un sale. Un sale genre de l'hémisphère nord. Bon, on avait dit sur une vraie table. Une vraie table en trois parts. Non, deux par deux, vu le nombre qu'on est. Peut-être pas très important. Que j'en fasse une trop grande. Et puis, il faudrait que je stocke un peu mon bazar ailleurs. Hop, je vais le faire. Une zone de stockage un peu moins pourrite. Tac, tac. On va peut-être imaginer aussi de faire une vraie salle, une vraie chambre pour Éternel. Un jour. Ça, je vais mettre en accès là. Toi, du coup, je vais pas te construire ici, mais je vais te mettre en plein milieu ici. Paf, toi, du coup. Tac. Tac. Ici. Ah d'accord, 750 euros. Ouais, je n'avais pas vu. Ouais, 740, bah ouais, c'est des euros. Bon, canton. Ah oui, mais je sais pourquoi tu me fais pas de construction. Peut-être parce que je te l'ai pas dit. Couillon de lune. Hop, voilà, va me cuisser goré. Je peux pas vraiment dire que j'en ai encore besoin. Peut-être agrandir mon frigo aussi d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard. Ben voilà, dès qu'on lui demande de construire, il le fait. Il le fait tellement vite. Mon Dieu. Putain, c'est pas possible. Tu peux me démolir et tu vas me faire des vraies chaises. Tac, tac, tac et tac. Non, alors là, je voulais que tu mettes des plats. Hop, tout effacé. Tu mets juste des plats. Tac. Et l'usinage est recherché. Si je veux des armes correctes, est-ce que c'est le plus important? De quoi ai-je besoin? Alors je pourrais faire l'énergie géothermique, ce sera utile tôt ou tard. Non, je vais continuer sur histoire de faire des carabines de survie. Quand même des vrais arcs, c'est bien. Alors, j'avais dit de me faire ici une zone de stockage. Enlever le bazar. Ici. Hop, copier-coller. Tac. Enlève-moi tout ce bordel. Tiens, j'aurais pu faire une autre porte là. Attends, j'ai plus assez de bois par contre. Si j'ai plus assez de bois, je vais aller en couper. Ah ouais, il va effectivement falloir trouver un nom au bébé. Salut Edroda, bienvenue sur le live. Désolé pour le un peu le retard à la détente. Va me couper du bois. Tac, tac, tac. Hop, va me couper du bois. Non, c'est pas ça que je voulais faire. J'essaie dans la mesure du possible de ne couper que les arbres qui sont pleins, donc récolter à maturité. Ça aussi, c'est un mode que je trouve tout bête, mais très pratique. Hop. Qu'est-ce que je coupe ça, tu peux y aller.
Bon, la chambre nuptiale est prête. Xebus, salut Xebus. Non, là c'est pas Damnet qui stream. Merci pour le raid. Edreda, non, c'est là c'est pas Damnet, c'est Galden. Donc c'est le troisième larron. Je n'ai commencé à, c'est que ce n'est que ma deuxième session de stream. Donc c'est encore tout nouveau. Enchanté pareillement. Normalement, je l'ai modifié dans le dans l'annonce comment dans l'annonce Twitch, non? D'accord, ok. Ravi de faire ta connaissance. Non, je veux pas que tu mettes de la bidoche ici. Si t'as de la bidoche en trop, tu me la mets. Tac. Tu me la mets par là. Tout effacer. Tout ce qui est aliment cru. Je vais la mettre là. En priorité normale. Et là, je veux que tu m'enlèves. Bon, ça commence à être pas mal tout ça. Xebus, qu'est-ce que tu streamais avant? Avant de faire ton raid. Ouais, je suis un vrai streamer bébé, ça c'est clair. Illumination artistique. Ou Katox. Toute œuvre d'art ou meuble. Bah c'est dommage parce que tu fais ni l'un ni l'autre. Mais c'est sympa d'essayer quand même. Allez, tu vas me casser ça, j'en ai plus besoin. XCOM 2, ah là 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 là. Mon Dieu, l'un de mes jeux préférés. L'un de mes nombreux jeux préférés. C'est un peu chiant quand t'as trop de jeux préférés. Ok, bon, les Trumbos, vu mes stats en dresseur, je pense qu'on va pas trop essayer, hein, parce que je vais pas non plus essayer de les attaquer, parce que j'ai pas du tout les défenses qui me permettraient de les gérer. Ouh, il récupère rien. J'espérais qu'en enlevant des dalles de granit, il récupérerait un peu, mais non. Oh, coucou Nico. Rossignol, mon autre fan IRL. Toujours pas mort, non, non, on se débrouille comme on peut. Tu fais quoi, Katox, sur XCOM 2? Tu sais, un mode spécial ou... Katox, c'est ton travail. Ah là 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 là. Il va avoir des contractions pendant quelques heures avant d'accoucher. Travail peut passer par plusieurs étapes de différents niveaux de difficulté et de danger. Pour améliorer l'échéance du bébé, rassembler un médecin et d'autres personnes pour aider à l'accouchement. Sélectionnez Katox et appuyez sur Rassembler pour la naissance pour démarrer la procédure. Eh ben, rien que ça. Eh ben. Hop. Tac. Qu'est-ce qu'il me dit? De sélectionner Katox. Ah, rassembler pour la naissance 6. Alors, propreté de la pièce. Bon. Spectateur. Allez, d'accord, ça rapporte rien. Donc, Canton et le docteur. Hop. 1,3% de chance de mourir pendant l'accouchement. Waouh! On va chronométrer à fort les doigts. Est-ce que je sauvegarde avant ou pas? Allez, on va sauvegarder quand même. Eh ben, vous savez quoi? Non. On va même être terriblement méchant.
On va laisser ça pour le prochain épisode de la VOD, puisque cet épisode-là dure depuis 1 heure. Donc on va dire à bientôt la VOD, à demain même, parce qu'a priori, normalement, les épisodes sortent d'un jour sur l'autre. Et on va faire le travail sur l'épisode suivant. Au revoir la VOD!